m'appelle David Okitakula Kazadi. Christophe, David Christophe, c'est ça mon prénom. Je suis congolais d'origine, congolais burundais d'origine, je viens de Belgique. J'ai commencé la musique sans nécessairement savoir ce que j'allais faire plus tard, c'est-à-dire j'ai fait de la musique et je le faisais au feeling. Et puis un jour, j'ai trouvé une raison à ma musique. Ma raison, ça a été Dieu. Donc franchement, moi j'incite tout le monde à trouver cette raison de faire de la musique, de faire du son. Moi, ça a été le Seigneur et voilà. Et en tout cas, je prie que chacun soit inspiré et que le Seigneur veille sur tout le monde, quoi. Bah déjà, je trouve que mon métier, c'est un métier qui est hyper large parce que bon, faut savoir que moi, je suis dans une certaine catégorie dans mon métier. Je suis dans le hip-hop précisément et c'est vrai que depuis 40-50 ans, c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Et je constate aussi qu'en Afrique, bah, les labels, les structures, les maisons de disques aussi sont beaucoup plus axées sur le hip-hop et c'est quelque chose qui s'exporte de plus en plus et qui est beaucoup plus pris au sérieux qu'avant. Moi, je trouve que déjà, ce qui est super cool, c'est qu'au moins l'Afrique, c'est plus catégorisé comme un pays où on fait que de l'afro. Donc ça, c'est cool parce qu'à l'époque, bah, l'Afrique, pour moi, c'était que l'afro. Et je pense que tout le monde était comme ça. Mais je pense que plusieurs artistes qui ont peut-être des influences qui viennent d'ailleurs ont commencé à s'imposer un peu plus. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, on peut écouter de la musique africaine sans nécessairement l'associer directement à de la musique afro. Mais donc, c'est quelque chose qui est bien pour la musique. Mon style à moi, le style dans lequel je me porte le plus, c'est le hip-hop. Donc le hip-hop qui regroupe tout ce qui est un peu rap, avec tout ce qui est de la musique, on va dire la musique urbaine, la musique qui se rapproche aussi un peu de la pop, parfois aussi de l'afro. Donc c'est un peu ça les inspirations que j'ai, parce que moi j'ai grandi dedans. Depuis que je suis petit, ma mère, elle écoutait... c'était un mélange d'Eminem, mais aussi de Fally Ipupa. Donc on a les influences autant très hip-hop que africaine, et en fait c'est un mix des deux qu'on essaye de faire. J'aurais pu quitter la terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perdre, c'est vrai, avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être là-dedans. Ok, j'ai quitté la terre, ok, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est d'entrer dans ma tête, c'est d'entrer dans ma cape, et ça, c'est la fête. Bah déjà, tu as les obstacles, tout ce qui est familial déjà, parce que forcément, moi je viens d'une famille africaine. C'est-à-dire quand il n'y a pas déjà quelque chose qu'on voit, bah, on n'y croit pas tout de suite. Et puis après, tu as aussi les amis, tu as les gens qui sont peut-être jaloux, tu as les labels, tu as certaines oppositions qui viennent d'un peu partout, qu'on ne peut pas forcément énumérer, mais ça fait partie du truc. En fait, c'est un truc qui ne s'arrête pas. Parce que tu sais, les gens pensent que c'est souvent comme ça au début et qu'après ça se tasse, mais en fait, c'est tout au long du parcours, ben, y a toujours en fait des difficultés. Pour moi, c'est quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est un très grand moment pour moi. Mais en plus de ça, si on doit parler des accomplissements en tant que tel dans la musique, ben, je dirais mon premier concert à Paris, mon premier concert à Abidjan, y a quoi d'autre ? Ben, la sortie de mon premier clip, Chrétien, en fait, y a tellement de choses comme ça que je retiens. Toutes les statistiques que je vois parfois sur Internet. Et en fait, c'est tout ça, ça fait partie des grands moments. Même une simple photo Insta qui fait 50 000 likes, pour moi, c'est un grand moment.